sa version. Je voudrais remercier également donc toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce commerce. Je pense en particulier à tous les fournisseurs, que ce soit le matériel, que ce soit les travaux qui ont été réalisés. Remercier également donc toute l'équipe, Thierry Arcueil et son épouse et ses enfants, qui sont eux les professionnels du métier. Remercier la suppléante également de Monsieur Henri Girard, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, mais elle est habitante de Verson, donc c'est facile pour elle. bienvenue à vous. Merci aux collègues maires qui me font le plaisir d'être présents ce soir à mes côtés. Donc l'ouverture de Typique Pizza, c'est un concept qui est déjà connu un peu sur la région, puisque Monsieur Arcueil ont déjà un commerce à Sainte-Honorine, et je rassure Monsieur le maire de Sainte-Honorine, le commerce va rester à Sainte-Honorine et continuera de fonctionner là-bas, avec l'épouse de monsieur Arcueil et avec son fils. Le magasin Typique Pizza, c'est donc un concept de pizza à emporter et à livrer, puisque nous avons à notre disposition deux scooters. Nous livrerons donc les communes de Verson, de Fontaine-et-Toutefour, de Baron-sur-Odon, de Moins et de Tourville-sur-Odon. Donc toute la communauté de communes, plus Fontaine-et-Toutefour et Baron. Donc le commerce s'ouvre officiellement demain soir et est ouvert donc 7 jours sur 7. Avec une particularité, c'est que le midi, nous faisons une formule, et c'est mon épouse, Elle est là-bas. Mon épouse Martine et Christine qui seront présents pour fabriquer et préparer ces pizzas, Christine étant la spécialiste et professionnelle. Et nous aurons donc Arnaud qui fera les livraisons, puisqu'on va livrer toute la zone d'activité de Verson avec une formule spécifique, une pizza, bon, un peu plus petite que celle que vous allez déguster ce soir, puisque celle-là font 35 cm, c'est ça Christine, je ne me trompe pas. Et celle qu'on livrera en individuel fait 28 cm, avec une boisson et avec un dessert, le tout pour 11 €, livré sur place. Voilà, donc formule du midi et formule du soir à emporter ou à prendre sur place. Donc merci à vous d'être présents à nos côtés, et puis merci à Monsieur le maire de nous accueillir. Il nous a bien facilité les choses pour l'installation de ce commerce. Merci également à Monsieur Gaumont qui a été le vendeur des murs. Dommage qu'il n'a pas vendu l'étage en même temps, parce qu'il était vendu avant, parce que les propriétaires du dessus sont un tout petit peu moins contents de voir une pizza emportée avec un peu de bruit. Ils étaient invités ce soir, mais ils sont partis la neige. Donc merci à vous tous, et puis je vous souhaite une bonne dégustation et une bonne soirée. Merci Michel. Je laisse un petit mot à Monsieur Marie, donc maire de Verson et président de la communauté de communes. Mais écoute, c'est avec beaucoup de plaisir que ce soir je suis là. On évoquait tout à l'heure le commerce à Verson. On a essayé de le rendre dynamique depuis un peu moins de 10 ans. Notre coopération participe bien sûr à cette dynamique. Je pense que dans l'étude de marché, vous avez bien pris en compte le fait que nos zones d'activité regroupaient plus de 2000 emplois. C'est plus de 2000 emplois sur les deux zones d'activité. Ceci dit, il y a d'autres projets. Tu ne m'as pas posé de question, mais il y en a d'autres. En tout état de cause, dans la partie centre, je pense que là, on aura la possibilité d'avoir une activité pérenne, parce qu'on sent bien que notre population évolue, ses habitudes de vie évoluent, on est devenu quand même une commune urbaine, et on voit aussi un grand nombre de familles, plutôt de cadres moyens, et qui accèdent facilement donc à ce type de restauration. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je t'accueille. Sache que sur l'ensemble de notre rue, là, simplement sur cette portion-là, le commerce, ça représente aussi 150 emplois. Donc c'est une activité. Je ne parle pas des services médicaux et paramédicaux. Donc ça en fait 4 de plus avec nous. Exactement. Donc vous êtes les bienvenus et je vous souhaite pleine réussite, bien évidemment. Ok, merci Michel. Merci à toi. Merci.